Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le Christmas tag. On the first day of Christmas, my true love gave to me a part. Parce que nous sommes le 5 décembre et oui, c'est ma première vidéo du mois de décembre donc je suis grave contente parce que si vous me connaissez bien, vous savez que Noël c'est toute ma vie. Voilà, Noël c'est ma période favorite de toute l'année. J'aime bien l'été, j'aime bien l'automne, le printemps, mais Noël. C'est la vie, c'est la vie. Donc c'est parti, je sais pas trop combien il y a de questions, mais en tout cas je vais y répondre et let's go. Première question, ta chanson préférée de Noël. Donc ma préférée chanson de Noël, c'est celle-ci, je vous la mets directement. C'est All I Want For Christmas Is You. Donc voilà, c'est vraiment ma chanson favorite, je pense, de Noël. Mais franchement, les musiques de Noël, je les aime toutes. J'adore Noël, donc j'adore toutes les musiques de Noël. Mais je pense quand même que j'ai une préférence pour celle-ci. À vous de me dire, vous, c'est quoi votre préférée musique. Deuxième question, c'est quoi ta boisson favorite pour Noël? Donc moi, ça serait tout simplement un chocolat chaud avec du caramel, de la chantilly, des marshmallows. C'est une pépite ça, c'est parfait, ça c'est trop bon, je vous conseille. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. Troisième question, ton film préféré à Noël? Donc moi je dirais que c'est Maman j'ai raté l'avion, ou alors ouais, j'aime tous les films de Noël vraiment. J'ai pas vraiment de film de Noël favori parce que je trouve, j'aime trop, voilà, tout ce qui est Noël, j'adore les illuminations, j'aime tout. De toute façon, vous verrez, il y a une vidéo où je vous dirai ce que j'aime à Noël. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses que j'aime à Noël, donc voilà. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo 5 films de Noël à regarder. Donc je vous la mettrai en barre d'infos et en annotation juste ici dès que je l'aurai sorti. Et vous pourrez aller voir des films de Noël qui sont plutôt bien et que je vous conseille. Mais franchement, je crois que c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ça y est, pas mal, c'est un des basiques. Mais c'est aussi un que je regarde tous les ans. Waouh. Quatrième question, qu'est-ce que j'espère avoir à Noël? Donc franchement, j'espère juste avoir de l'argent pour pouvoir m'acheter mon appareil photo. Je veux un 700D Canon, donc voilà, j'espère pouvoir me l'acheter cette année. Et ensuite, voilà, pourquoi pas, si j'ai assez, commencer à changer ma chambre, etc. Voilà, je pense que ça serait bien. Pourquoi pas un téléphone après, par la suite. On verra. Cinquième question, ton nail art, ta coiffure et ton make-up favori pour Noël. Sachez que la première chose, je ne me maquille pas, donc j'ai pas de maquillage favori pour Noël. Voilà, je me maquille pas tout simplement. La coiffure favorite pour Noël, franchement, j'en ai pas non plus parce que, voilà, je suis pas une fille qui me coiffe énormément. Voilà, je me laisse les cheveux, j'ai les cheveux normaux, je me les attache et c'est tout, je fais pas grand chose. Donc voilà, je vais pas vous dire telle chose quoi. Et mon nail art favori, franchement j'ai pas de nail art favori, c'est plutôt une couleur de vernis qui est toute simple. Je vous enseignerai un petit close-up, mais voilà, c'est une couleur avec des petites paillettes, j'aime beaucoup. Il est marron, il n'est pas très foncé, il est très bien, je peux le mettre tout l'hiver, c'est vraiment le vernis que je mets tout le temps à Noël. Sixième question, ta tenue favorite pour les fêtes? Alors franchement, je ne sais pas, ça dépend. Il y a des années, je préfère porter une robe, il y a des années, je préfère porter une jupe, et je vois une combi short, et je pense que cette année, ça sera la combi short. Parce que je suis pas mal tentée pour ça. Parce que de une, on est hyper à l'aise dedans. Bon, le seul petit défaut, c'est qu'il faut tout le temps se mettre toute nue pour aller aux toilettes. Mais sinon, ouais, je pense que c'est vraiment ça que je préfère. C'est vraiment les combis shorts à Noël avec des paillettes, etc. Une belle tenue. Voilà, un beau petit maquillage, pas trop foncé, des cheveux détachés. Et c'est parfait. Ah, et j'avais oublié, mais des paillettes partout sur le corps. Mais ouais, j'ai pas de tenue. Genre, je me dis, tous les ans, je vais m'habiller comme ça, non. Noël c'est juste un bon moment. Mais je pense que la tenue, je pense que je préférais, c'est peut-être m'habiller en Mère Noël. ça serait cool tiens. Septième question, tu préfères jouer dans la neige ou rester sous la couette? Franchement, jouer dans la neige, j'ai pas de neige en fait où j'habite. C'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma vie de pouvoir jouer dans la neige et pouvoir faire un bonhomme de neige, etc. Et j'avoue que j'adore ça, j'adore. Et les batailles des boules de neige, c'est trop la vie ça. Ouais, franchement, je préfère ça. Parce que rester sous la couette, on peut le faire toute l'année. Puis faire des batailles des boules de neige, aller dans la neige, c'est pas tous les ans. Déjà, moi, ça m'arrive à peine une fois par an.
Alors franchement, enfin ça m'arrive même pas une fois par an quoi. Non, ça m'arrive une fois tous les 10 ans peut-être, même pas. Huitième question, emballage cadeau, plaisir ou horreur? Franchement c'est un plaisir, j'adore emballer les cadeaux, j'adore acheter des petites décos, mettre du ruban, enfin j'aime trop, voilà. Donc je sais quand j'étais petite, je faisais des cadeaux à mes parents aussi pour Noël, et voilà, j'aimais bien décorer les paquets cadeaux, faire un petit truc en plus, etc. Enfin ouais, c'est des petits trucs que moi perso j'adore faire parce que je suis très mauvaise créative, donc voilà. Huitième question, je crois que c'est la huitième ou la neuvième, je ne sais plus. Ton plat favori pour Noël, donc j'en ai pas, je ne sais pas comment vous dire, mais je n'ai pas de plat favori pour Noël, je ne sais pas. Et dixième et dernière question, donc la question d'avant c'était la neuvième, c'est que préfères-tu à Noël? Je pense qu'il y a plein de choses en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, mais je pense que la chose que je préfère le plus, c'est quand on va au sapin et découvrir les cadeaux, je trouve ça juste trop bien. Le matin tu te lèves, t'es encore en pyjama et là tu vas découvrir les cadeaux, etc. Je trouve ça trop génial, voir les illuminations, voir les marchés de Noël, etc. Enfin bref, je vous en dis pas trop parce que vous verrez ça dans une autre vidéo. Mais ouais, je pense que c'est le fait qu'on se lève le matin et qu'on sait que c'est Noël et qu'il y a le Père Noël qui est passé et que ouais, on découvre les cadeaux et c'est un peu la magie de Noël quoi, donc j'aime trop. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël à tous et bisous bisous.